crise ensemble avec la population dans le pied. Ça met en opération côté 8 jeunes garçons tombés. 8 jeunes garçons. 8 jeunes garçons tombés. Plusieurs dames saisies. Ils jouent donc on dit manche coûte manche longue. Donc non, mais la police dans le moment qu'elle n'a pas les là, on dit vraiment en pile détermination de côté la police. Et nous-mêmes, nous battons gros bravo pour la police nationale là, qui vraiment vit travail, même les remarques fortes qui viennent sur ce territoire-là, les bagues importantes là, parce que vraiment, c'est la police qui travaille. Donc lors de l'information qui s'est allié samedi dans la zone Bois la Salle, il y a deux machines cassades qui vivent joindre la Mayo pendant Yotal, vraiment que les manioc, ça a les manioc là, qui étaient capables de faire cassade, des bandits sans foi ni loi, bandits à sapat, bandits d'autumi. Qui vraiment t'apprend casser caille dans le niveau Bois la Salle, puisque Bois la Salle c'est là qu'il y a vraiment un cache-cache libre. Eh bien, on dit vraiment, il a tué deux machines de cassade d'Ayo, et puis il y a un personnage qui, selon l'information, a vraiment des familles magistrats agressifs qui c'est Bernardo. Eh bien, les pères Ayo tellement battu de terre qui c'est vraiment pral, vraiment sure. Changé bête non. La GEO, ils ont tué les PA tellement ils ont donc on dit que ensemble d'éléments de formation américaine pour le week-end, non. Et on dit tout, vraiment, et Bois la Salle là, qui vraiment crée un grave problème. Donc dans dimanche, et on dit, au 10h matin des baillots, et la police s'en met sur une zone, dans zone et Bois la Salle toujours, et dans zone Bellevue, et côté vraiment, il y a un pile cache-cache libre là, et vraiment, il y a goumé pour voir comment il est capable de parler avec la situation insécurité. Donc, route nationale numéro 2 a toujours été impraticable et pas gagné vraiment machine qui a circulé. Manger, il est arrivé au niveau des organes pour bien manger. Moun a tant même misé en dedans, comme une carrefour, un peu partout, mais vraiment, les bagailles sont extrêmement difficiles dans le moment qu'il n'a pas l'air, puisque Mounio. Vraiment demandé pour que route soit capable de débloquer pour être capable vraiment aller chercher la vie yo, parce que l'école va l'ouvrir, la misère on ne peut plus. Donc justement faut que le premier ministre Gary Conin fait le maximum d'efforts dans ce qu'il a fait pour que permettre que parler avec situation parce que bagaille est extrêmement difficile les aïe des arts le politicien Gary mérite qui n'est pas Gary Conin. Nous t'as même connu exactement Gary dans le moment on a parlé là. Situation route là, en parlant de route nationale numéro 2, là. Est-ce que c'est coupé, n'est-ce coupé route là? Est-ce que vous coupez route là? Ou bien c'est machine qui peut passer sous route là? Ou bien la police pourquoi qu'elle prenne disposition pour capable gérer question circulation, transport en commun en Gary? Comment moun, est-ce que vous marchez? Est-ce que vous marchez à pied qui sorti Gressier pour entrer Mariani? Comment situation ça y est exactement? Justement, les amis, Pierre Matetatou, Dagamin Galet, vraiment, fan de nous, bagayo est extrêmement difficile au niveau précis. Qui ça gagne, auditeur Matetatou? Ça vient expliquer véritable problème, non? C'est parce que Mounio vraiment besoin de passer, lui a besoin de passer, mais l'opération est extrêmement importante pour capable de permettre que Mounio circule net aller, mais dans le moment, on dit pas gain moyen pour monde d'passer parce que vraiment bagaille extrêmement difficile mais on dit tout et la police pas vle passage là c'est la police qui pas vle passage là et monde essayer passer trois victimes donc c'est raison ça je dis avant dit il y a des stratégies qui met en évidence ça que nous pas gagner dans la radio pour nous permettre que vraiment travail au fait il y a bagaille que pas dit mais normalement faut nous quitter le travail la fête. Et vraiment, je vais vous donner une information à chaud, ma finale pour nous. Je vais vous donner une information pour me permettre que nous travaillions à 4 fêtes à Colvette. Et ça, nous avons la police. Et Galette, nous avons la police. Pierre Matetatou, nous avons la police. Mais vous travaillez de sérieux, rappel. Moi-même, je suis venu sur les lieux pour me gâter qui ça va gagner là. Donc, je me dis, bien espoir, population et les organisateurs. Vraiment mettez avec mon greffier pour que vraiment le travail qui permet. Donc, et tout le temps, vraiment, il y a un travail de sérieux hein, qui fait
au niveau route nationale. Mais on dit, la misère là, qui vraiment primé, soit tout le monde a expliqué même dans la commune Carrefour, et ça y est, c'est ça, pile jeune femme qui déjà est bien 4 mois à plonger là, puisque il y a la misère, il y a plein de potes qui ont avec l'âme, ça explique qu'il y a trop en dedans, et ça y est, c'est ça. Merci, merci Gary. Les gars qui ont débarqué zone marché Serradot là, dans 19 ans, ils ont vidé balle sous deux policiers. Deux policiers que généralement tout le monde habitué ouais dans zone l'école Saint-Louis en haut. Et puis c'est garder nous ouais. Gros courri qui pété. Et bien tout le monde a couru. Ça a gagné. Tout Delma 19, moun ap kouri ki te ti ba yo a te, nèg moto ap kouri ap frape a moun. Ki sa genye? C'est parce que justement, genyon ti bus tande, et prudence lan, la, y extrêmement important. Et sa mbral di la, m'pata vle comme si pour l'autre chauffeur yo en difficulté. Mais la police connaît ça et oblige mette yo nan condition pour yo aider. Ouais, je dis là, plutôt la police plus focus sur tiyat yo que machine privée, oui. On va t'abîmer, leave that. Plutôt la police plus focus sur tiyat yo, hein? Tiyat yo, tibus yo, tiyat yo. Est-ce qu'on connaît selon information qui vient nous joindre nous? Nèg yo qui vide balle sur police, non tibus yo, non tiyat yo. Et puis c'est garder moun yo garder yo e bal ap sorti en dedans tibus la k ap vide. Et puis deux policiers blessés par balle. Malgré au fait tentative pour yo courir ak policier au l'hôpital, gen yon ki semblait pas résister. Monsieur Moré. Et gen yon l'autre qui blessé, qu'elle est dans point li. Et selon ça qui dit, monsieur, gen les policiers, ça est un nèg solino lieto. Qui ça ne comprend? Donc, ça veut dire, et selon information que nous jouons, tout nèg ça a frappé dans zone 19 là. Hein? Yo le au papa d'Abaïti. Ok, pas un problème, vol si vol ma. Mais le policier, on connaît. Ok? Ça veut dire, tout nèg qui a frappé dans zone ça là, pas dit tout, mais majorité, c'est nèg qui sorti zone Simon Pelé. C'est yo qui a frappé là. Ça dit qu'on y a majorité coup bandi yo planifié, yo sous machine, et puis gen nèg qui a motocyclette, qui a fait advance pour yo, qui a contrôlé côté de gen policier, etc. Parce que selon premier ça a été dit, nèg ça a perdu la vie, c'est parce que justement, t'es gagné une tentative de kidnapping qui t'a pral fait, et nèg yo constaté que deux policiers ça ont un espace là, et bien yo wè nèg ça son obstacle, premier bar pour yo faire, pour yo ka faire courant, c'est éliminer policier yo. Et puis sortant de la panique totale dans zone là. Parce que, vous voulez comprendre un bagay. Émission mio, texte que écrit sous page mio, c'est pour m'aider société, c'est pas pour m'aider individu. Attendez, c'est pas pour m'aider un citoyen. Message mio, c'est pour m'aider la République. L'homme parler, pas minimiser, ni pas faire diversion à qui yo, ni pas faire matraquage, tractation, etc. Ou pas obligé gen information m'gagne. Ça qu'arrive même gon information pas gagne même gens en pile moun gen des informations que moi pas gagne moi pas compte toute bagaille mais l'on m'écrit bien parler pas minimiser parce que souvent nous minimiser mais gen conséquences après. Donc zone Delma et m'a demandé moi te dit ça gen un commissaire là qui c'est commissaire Mathias gen pile plein pour dans Delma frère que on assume responsabilité gérer ça doit gérer parce que moi-même moi recevons pile message qui pas fin trop bien pour
Gen yon commissaire m'ba lavel, monsieur dit oui, ou ka bataille. Mais li même tout li recevra plainte contre. Et pas nan bay comme si volo non, mais ces gens ou vini pour gérer commune. Gen pile policier ka plainte. OK? Gen pile policier ka plainte. Donc moment y est là et c'est ça te faire on t'a parlé, m'té insister sur bay Gautier. Parce que dans le contexte nous est là, son contexte de rassemblement. Tout ça capable se mettre au dans panier pour nous avancer. C'est pas moment pour n'a déchirer une lotte dans police là. C'est pas moment pour n'a créer plus diversion dans police là. C'est pas moment pour n'a créer plus frustration en dans police là. C'est moment de concertation. C'est moment justement pour nous mettre ensemble. Pour nous, qui ça nous a fait? Mais ça m'a regardé là. Beaucoup well parce que. Betty Barthelmy, bah, yon petit casse mélangé. Bah, yon mélangé, oui, là. Bah, yon très, très mélangé. Nous avons une situation qui est du matin aux environs de 8h30, côté qu'il y a deux policiers, des CPE qui travaillent entre rue Gaouguinou. Edelma 33 qui patrouille avec Saint-Luc Gonzague. Côté que dans le cadre de travail de policiers, ils ont été interceptés un minibus de couleur blanche, selon rapport, selon ça, comme ça Edelma rapporté. Côté que policiers sérieux, ils ont été campés bus là, eh bien, monde qui était dans le bus n'a pas décidé de camper. Bus a été pris la fuite, par la suite que policiers sont pas le suivre et bus là. Les arrivés dans Edelma 19. Et non, précisément dans le marché Serradot qui trouvait dans Delma 19, eh bien, individu Sao qui était à bord du bus, il était lourdement armé, il était tiré en direction tous deux policiers Sao qui ont même tapé sur le bus. Sa. Tous deux policiers Sao ont touché et par la suite, Tapralvin gagné plusieurs patrouilles qui arrivaient dans la zone, non, sous lieu côté sa fête là, eh bien, ils ont été transportés en urgence et policiers Sao. L'hôpital. Il y a un policier qui est décédé l'hôpital. C'est policier Pierre-Louis Dionné, 18e promotion, agent 4. Et puis tout, il y a un autre policier qui est 26e promotion pour le moment qui a pris soin l'hôpital. Voilà, c'est ça, c'est la situation par rapport avec ce qui passait matin dans le marché Serradot qui trouvait dans Delma 19. Effectivement, il y a une situation qui est du matin aux environs de 8h30, côté qu'il y a deux policiers, des CPE, qui travaillent entre rue Gaouguinou et Delma 33, qui patrouillent avec Saint-Luc Gonzague. Côté que dans le cadre de travail de policiers, ils ont été interceptés un minibus de couleur blanche, selon rapport, selon ça, commissaire Delma rapporté. Côté que policiers ça ont été campé bus là, eh bien, moun qui était dans bus yo pas décidé campé. Bus a été prendre la fuite, par la suite que policiers sont pas le suivre et bus là. Les arrivés dans Delma 19 et dans précisément dans marché Serradot qui trouvait dans Delma 19, eh bien, individu ça qui était à bord bus ça, il était lourdement armé, il était tiré en direction tous deux policiers ça qui ont même tapé sur bus ça. Tous deux policiers ça ont touché. Et par la suite, Tapralvin gagné plusieurs patrouilles qui arrivaient dans la zone, non, sous lieu côté sa fête là. Eh bien, ils ont été transportés en urgence et policiers à l'hôpital. Gagné un policier qui décédé l'hôpital. C'est policier Pierre-Louis Dionné, 18e promotion, agent 4. Et retour gagné un autre policier qui est 26e promotion pour le moment qui a pris soin l'hôpital. Voilà, c'est ça, c'est situation yé, par rapport avec ça qui passait matin dans le marché Serradot qui trouvait dans Delma 19.